Bonjour ami Cancer, on va regarder ce que va vous annoncer l'oracle de Béline pour donc le mois de mars 2023. Donc quel est le message? Ce ne sera pas un tirage forcément complètement profond, complet, puisque c'est pour tous les cancers. Mais quel est donc le conseil? Alors ici j'ai une rupture, ouh là là, en coupe. Donc la coupe elle colore le jeu. On va voir, hein. Peut-être que ça parlera pas de ça, mais apparemment il y a une coupure, une rupture avec, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça, je ne peux pas vous dire encore dans quel domaine. On va voir le tirage. Cancer, mars 2023. Cancer, mars. Alors. Bon, bah écoutez, vous voyez? Comme quoi, le tirage est beaucoup plus positif que la coupe. C'est peut-être que justement que cette coupure va vous être favorable. En fait, mais j'aimerais bien savoir quand même c'est dans quel domaine. Alors, une bonne nouvelle financière. Là, je suis dans les finances, la profession plutôt. Bon, bien voilà, écoutez, ça parle du fait que peut-être que vous allez... laisser tomber un travail, un job, quelque chose qui ne vous convenait pas, ou peut-être que cette possibilité-là va s'envoler du jour au lendemain. Il y a une cassure, un changement par rapport à cela, mais en tout cas, soit vous retrouvez très facilement, vous trouvez très facilement derrière un autre travail, et c'est peut-être pour ça que vous partez ailleurs. Si vous ne l'avez pas décidé, il y a de toute façon une très très bonne évolution pour vous. Donc une ascension socio-professionnelle extrêmement positive qui arrive tout doucement. Alors vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, tout début mars, mais en tout cas, ça faut vraiment compter là-dessus. Vous êtes dans un gros changement là au mois de mars. Par rapport à une situation un peu bancale au départ, et là, ça y est, bien, les très bonnes nouvelles arrivent, et même une bonne nouvelle socio-professionnelle, et sinon, une très bonne nouvelle financière. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon mois de mars, profitez.